Yannick, marié au premier regard, dévoile enfin la vraie raison de sa rupture avec Mélina. Quelques semaines après le bilan de marié au premier regard, Yannick s'est confié sur sa séparation avec Mélina. Pour le jeune homme, son ex-compagne lui en demandait trop. De toutes les unions célébrées dans la saison 5 de Marié au premier regard, seule celle entre Laure et Mathieu perdure encore à ce jour. Les deux attendent même un heureux événement. Pour tous les autres, l'aventure s'est soldée par un divorce. Pour Emeline et Frédéric, pour Alain et Cécile, Laura et Clément ou encore Yannick et Mélina. L'annonce de la séparation a été faite sur Instagram pour ces deux derniers. Depuis, ils se sont confiés, à mots feutrés, sur la fin de leur idylle. La jeune femme avait ainsi confié que le divorce n'avait pas encore été prononcé. « Je suis en contact avec Yannick mais très peu. » Pour tout ce qui est démarche. On règle les dernières choses mais on avance chacun de notre côté, c'est compliqué et ce n'est pas agréable, des sentiments il y en a encore. Je parle d'aimer car il y a une nuance entre aimer et être amoureux, mais Yannick et moi c'est vraiment mort. Ce n'est pas prévu qu'on se remette ensemble. Il faut l'accepter. Cette dernière s'était montrée soulagée de voir la fin de saison arriver, je ne peux plus attendre et faire semblant. Tout en restant silencieuse sur la cause de la séparation, je ne rentrerai pas dans les détails. Je respecte beaucoup Yannick mais on ne voyait pas les choses de la même manière. Il faut savoir se préserver si on veut être heureux. Je ne m'étalerai pas là-dessus. Les raisons me regardent, ça reste notre histoire et notre mariage. Interrogé par Gossip Room, celui qui est ami avec le gagnant d'une célèbre télé-réalité en a toutefois dit un peu plus sur les raisons de leur rupture. Elle attendait des choses chez un homme que moi je ne pouvais pas forcément lui donner. C'était trop demandé pour moi. C'est ce qui fait un peu l'incompatibilité. J'ai vraiment commencé à me poser pas mal de questions mais voilà. On est mariés et j'ai voulu fermer les yeux sur certaines choses mais c'était, on va dire, contradictoire à ma façon d'être. Ça ne s'est pas fait tout de suite sur un coup de tête. Ça a été purement réfléchi, au final pour nous deux, ça n'a pas marché. Ce n'était pas possible. Mélina et Yannick toujours en contact? Si les deux semblent toujours en contact pour régler les démarches administratives du divorce, Yannick souhaite en revanche couper définitivement les ponts. On se sépare bien, même si on ne va certainement plus, en tout cas de mon côté, garder contact. Je suis dans ce fonctionnement-là, ne pas garder contact avec ses par exemple. Ce serait trop dangereux et c'est aussi un manque de respect pour la future.
elle ne peut pas rester mon amie aujourd'hui.